évangélisation, jeunesse en mission père à Madagascar. Ces jeunes étudiants et staff sont des missionnaires de la jeunesse en mission, Youth with a Mission Perth, une organisation missionnaire chrétienne, évangélique, interconfessionnelle et internationale. En mission actuellement à Madagascar, ils se sont arrêtés hier au jardin d'Antananarivo et ont effectué des témoignages, des théâtres avec des gestuels pour mieux faire passer le message compte tenu des barrières linguistiques, mais aussi pour prier. We are missionaries. We come and travel different places, and what we do is we just say that Jesus is Lord, and saying that inviting people to come be part of that plan is to bring hope, to bring life, and to be changed, to leave our old past behind, to leave our sins behind, and actually say that you're my Lord, I will follow you for the rest of our lives. And that's what we do. We're just simple people. We are part of a DTS from Australia. So there are different places all over the world doing the same thing, but we come from Australia, Perth, and it's a disciple training school. So what we do, we learn 3 months about Jesus, who he is, and then what we do is we go out and share the same thing. Ces jeunes viennent de l'Australie et l'objectif de leur mission d'évangélisation, qui fait suite à une formation qu'ils ont suivie, et de faire en sorte que chacun puisse connaître et suivre Dieu. L'équipe est également composée de personnel médical et réalise des actions dans ce sens. Ces jeunes n'ont pas manqué d'approcher ceux qui étaient présents au jardin d'Antananarivo pour les porter en prière, nourrir l'espérance pour qu'un changement puisse s'opérer afin qu'ils aient une nouvelle vie sous la protection divine.